Bonjour à tous, me voilà de retour. Je ne sais pas si. Si, c'est bon, j'ai le micro qui est coupé. Tout va bien. Je regarde juste un petit truc et on est parti. Non, c'est pas ça. Pas ce que je voulais. Ouais, tant pis. On est parti. Là-dessus. On fait ça. Non. Voilà, c'était ça que je voulais. Ok, on est parti. Est-ce que j'ai reçu des appels? Minuit 31. Ok. Ça, j'ai entrepris. C'est Clean Fruit. Ouais, de l'auto. First Traitor. Ok, bon, on est parti. Sortie garage. Et ceci. On roule à 90 pour pas se faire flasher. Ah oui, si ce matin je suis parti voter. Ça, c'est des trucs bizarres quand même. Sorti le pas du nom la mule. On va faire ça, on va changer. On va changer. Voilà. Est-ce qu'on a bouffé? Oui. Parfait. Ah, je m'étais parti du dispatch, je crois. Tout à l'heure. Et rue. Tout va bien? Ben ouais, tranquille et toi? Bon oui. Parfaitement bien. Je m'étais retiré du dispatch tout à l'heure ou pas? Ouais, moi je t'ai enlevé. Ah ok. Je me disais bien que j'avais oublié. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, je suis à 1575.
Je vais arriver à 5000. Minimum. Ouais, si je fais plus, tant mieux. Ils sont partis faire une grosse livraison avec les mules. Non, c'est juste Horace, il me semble, qui a dû partir en livraison. D'accord. Je pense qu'il va pas tarder parce que je suis revenue à 13h et j'ai dû arriver ici vers 13h15-20. Il était là, il allait prendre, il est chargé. Bon, ah oui, il devrait pas tarder. Hein. Ah, tiens. Pas ça.
C'était votre truc. Oh, pile poil. Eh bien, je m'épate. Ah, c'est bon, tout est plein. Tout est plein. Oui. Faut qu'on aille au-dessus là, juste à côté. De Ouais, oh ouais, sur son du champ. toute façon, on va finir par rattraper Horace. Oui, je pense. 30-08 et 30-26. Ouais. Je mets 30-08. Hop. Ok, c'est parti. Bah je laisse. Ah non. C'est sous. T'as pas fait de message, hein? Non, Ok. tu le fais? Ouais, c'est en cours. Ouais, je nous mets sur le dispatch. Ok. 30-06, c'est ça. 30-08, ouais. 30-08. Il vibre lui.
aucune raison. Je crois que les policiers m'ont l'air occupé là. De Ils ce ont pas que pris ton j'entends. appel? Si, ils ont pris l'appel, mais j'ai entendu des sirènes passer. Bah, je sais plus, c'était hier, il y en avait un, il se plaignait que c'était trop calme. Ah non, tiens, je comprends en plus. Ouais, c'est. Je crois que moi aussi, c'est très bien. Ah, le retour.
Ah, ouverture de Yellow Back. C'est qui? Archie. Regardez combien on a. 30. C'est la digestion, c'est pour ça, c'est très calme. C'est bizarre ça. Quoi donc? Oh, c'est pas clair. D'accord. Message, qu'est-ce ici? Oh. Si tu veux. Oh. J'espère bien. Oui, bisous.
Bon, ben, je vais voir la club plus tôt que prévu. Mais c'est pas pour autant que je vais faire du braquo. Je vais quand même attendre la semaine prochaine, je pense. Histoire d'avoir de quoi ramener. Contenu 65. Oui. Bon, par contre, oui, je pourrais pas faire je ne sais plus combien que je voulais. Voilà, je voulais en faire 1005, je crois.
Ils sont vides. Ok. Hop, c'est bon pour moi. Il m'en reste deux. Et c'est bon. Bon. J'ai mis à jour le dispatch. Ah, je t'ai Ah non. contaminé. Ah Mais j'ai d'accord. quoi? On Des a quoi? rougeurs. Ah, je vais te chercher une pommade? Ouais, je veux bien. Attends, mais ça le fait plutôt bien là sur la mule. Le stickers. Merci. Non, rien. Hop là. Je vais récupérer des commandes. Ouais, bah tant qu'à faire au passage. Ah, Vas-y, vas-y, rentre. ok, j'y vais. Bien. On traite, je crois.
J'ai tout pris. Ouais. Eh ben nickel. C'est vide. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Et à Ouais, bientôt. bonne journée, mon pote. Au revoir, merci. Hop. Partez en livraison? Non. Pas tout de Bah, suite. on peut aller faire la vente de voiture si t'as si t'as le temps. Ouais. Allons-y. Non, si on faisait chez les PR pour changer, c'est moins loin. Ouais, S'ils sont là, mais... J'ai jamais fait de vente avec eux. Bonjour. Moi, bon, je vais me changer en attendant. C'est de l'autre côté. Ah. Sup. On va voir s'il répond. Tu l'as vu du coup à la club? Bah, je l'ai vu en photo sur le Weasel. Si tu veux l'essayer. Je viens de prendre 1 500 $ de radar. Hein. Merveilleux. Passe toute ma paye dans les radars. Oui, c'est sûr. C'est vrai ce qui est parti? Ouais. Et tu vas parler de ça. Ouf. Ah oui, c'est pas passé loin. Ah oui, d'accord. Oui, allô? Petit requin. Oui, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez un peu de temps? Ouais. Là, je suis au Yellow Jack. Au BCSO, du coup? Ok, vous en avez pour longtemps, vous pensez, ou... Alors, si on part maintenant ou pas. Dizaine de minutes? Ok. Eh ben, BCSO dans 10 minutes, alors. Ça marche. Pas de soucis, à oui, tout à l'heure. Si. Et ben, BCSO dans 10 minutes. Juste passer un petit peu par chez moi pour que je lâche la Punto là-bas. Normalement, t'as deux places. Ah oui, t'as une moto peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que je laisse pas la Punto dans le garage. Ah ici. Ouais. C'est ah, en, bah, en 30. Bah, je te suis. Oui, ça marche aussi. C'est en 30 combien 30. 30 quelque chose. 30. Ouais, c'est à côté. Ouais. 15, non, c'était 36, ouais. J'adore cette voiture. Je crois qu'avant elle allait un chouïa plus vite, elle va à 180. Oh bah, ça va? Oui, ça suffit à pas se taper dans les radars. Ouais. C'est raisonnable. Ah mais c'est une vraie petite bombe et ça tient la route incroyable. Par contre ça... Bon elle est blindée full hein, mais ouais. ça reste... T'sais, quand tu tapes un mur, tu te dis que tu vas peut-être mourir. Ouais. Sur l'aérodrome, si tu veux t'amuser un peu en attendant. Ouais. Ils ont dit quoi? Ils ont dit dans 10 minutes, ça fait 15 heures ça. Oula, oui. L'aérodrome, c'est. C'est à droite. Ah oui, c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas.
Après, dans les chemins, c'est pas le top. Mais sur la route, ça tient la route. Ça part juste ce qu'il faut, tu vois. Ouais. Juste pour avoir les petites sensations. Avant, j'avais une futo, c'était une horreur. Ça glissait partout, ça tournait pas. Bon, je finis par m'en séparer après 5 mois et demi de bon et loyaux service. Et t'avais un autre véhicule en vue? Non, même pas, c'est que j'étais en coloc avant, et il y a un mois j'ai dû racheter l'appart en urgence parce que mon coloc a quitté Lille. Et du coup j'avais pas les sous pour acheter une place de parking, j'avais 4 véhicules. J'ai 4 véhicules. Ah oui, d'accord. Du coup, plutôt que de racheter une place, voilà, j'ai pas un rond, donc je me dis tant pis, je m'en sépare. Je me suis bien amusé avec. C'est sûr. T'as quoi d'autre comme véhicule? J'ai la Daity, c'est la dernière que j'ai achetée. Ouais. J'ai une Sanchez moto et j'ai un Elion. Un 4x4 ça? Ouais, un 4x4 off-road de place. Qui marche fort. T'as eu d'accélération en montagne, c'est incroyable. Ça grimpe vraiment partout. Mais bon, c'est deux places. C'est le seul défaut, c'est que c'est deux places. Ouais. Et c'est customisable. La club aussi, c'est customisable à fond. Il y a plein de trucs. Mais j'ai acheté la Daity juste avant de... Juste avant de décider de monter le dossier Yellowjack, du coup j'avais déjà plus beaucoup de sous. Et après il a fallu acheter l'appart dans la foulée. Compliqué. Le 15 on est. Ouais. Je prends. Donc tu es pas. Ah, merde, attends, je peux pas prendre, j'ai G6 qui m'appelle. Oui, allô? Ben je prends. Ouais. Ah bah c'est Faut que j'aille. Je vais vendre un véhicule là dans 10 minutes. On peut dans 25 minutes, c'est possible? Ou ce sera trop tard? Non? Ok, bah ça marche. Ah, au pire, dès que j'ai vendu. Dès que j'ai. Ouais. Tiens, c'est bien, ouais, dès que j'ai vendu le véhicule. Je te tiens quoi? Ça marche? Ouais, j'ai pas les clés par contre. Oui? Je cherche du travail du coup. Oui. Bah ça tombe. Et savoir si vous recrutez. Et bonjour. Ah bah, il y a du beau. Vous pouvez voir avec monsieur du coup. Il y en a des choses à faire aujourd'hui, dites donc là. Dites-moi tout. Bon, moi j'y retourne. Moi j'ai postulé déjà au B10, puis du coup à Compsis, mais aucune réponse depuis 2 semaines au B10 et 1 semaine à Compsis. D'accord. Donc il y a vraiment des entreprises qui sont très full. Et... C'est surtout qu'apparemment il y a des problèmes de. Voilà. Vous appelez comment? Yolkov. Yolkov? Pardon, c'est. Kov. K-O-V, ça? Y-L-O-K-O-V. Y-L-O-K-O-V. Ok. Alors nous, on recrute modérément parce que. Bah, parce qu'on est une entreprise toute neuve, on a ouvert il y a 3 semaines. Mmh. Là, on arrive à 14 employés. Du coup, oui, on recrute, mais on sélectionne, quoi. Enfin, on va voir. Vous êtes nouvel arrivant? Je suis renouveau, on va dire. D'accord. J'ai été nouveau il y a à peu près 8 mois à l'époque d'Halloween. D'accord. Après, j'ai dû retourner en Russie parce que ma famille avait des problèmes. Donc, voilà. Ok, pas de soucis. Et là, je viens de revenir il y a 15 jours. D'accord. Et ben, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie un petit formulaire de recrutement. Ouais, pas de souci. Je vous demanderai de répondre à ça. Et puis après, ben, on vous recontacte. Soit pour un oui, soit pour vous voir plus en détail, soit pour un non. En fait, j'aimerais juste avoir des réponses, quoi, parce que j'ai même pas de oui, non, j'en ai pas, quoi. Oui, c'est vrai que. Ouais. Mais ça va plus. Que ce soit un oui ou un non, en soi, oui, ça m'arrange. Un non, bon, bah tant pis, je vais voir ailleurs, quoi.
Et au moins que j'ai la réponse, quoi. Au moins que vous soyez fixé, ouais, bien sûr. Parce que le B10 et groupe 6, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais je vous avoue que plus j'en fais, donc moi je suis adjoint de direction depuis 3 semaines, du coup, et plus je m'occupe du recrutement, plus je vois que c'est vrai que les réponses, quand c'est négatif, c'est vrai qu'on en oublie pas mal, ouais. À mon grand regret, mais voilà, en répondant, et puis les gens sont déjà partis ailleurs. Du coup, mais je tâche de répondre à tout le monde, en tout cas. Oui. C'est ce qu'il faut. Oui, Alors, il n'y a pas de réponse et les gens sont déjà partis ailleurs. Oui, Oui, aussi, ou alors il y a des alors je gens passe comme un moi petit qui coup de viennent fil pas du et... coup postuler avec quatre milliards d'entreprises parce que ils trouvent pas ça comment dire pas honnête, mais on va dire que quand je m'investis dans un travail, je m'investis à fond, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire que je me renseigne sur le travail et tout ça quand je postule dans une entreprise, quoi. Ah, ça, je peux vous présenter la société avant que vous postuliez, si vous voulez. Par J'en contre, ai déjà entendu. je pourrais faire ça que dans 3 quarts d'heure, parce que là, je dois aller vendre un véhicule. Après, j'ai un truc à faire de patron, ouais. Et là, tout de suite, j'aurais pas beaucoup de temps à vous consacrer. Mais bah, je vais déjà vous envoyer le formulaire. Je veux bien votre adresse mail, s'il vous plaît. Sergei.yolkov@discord.gg. Et ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Sergueï, c'est un peu comme Serge, sauf que c'est Avec un i à la fin, EI, non? avec un EI, I avec ok. Avec un tréma. deux points dessus. Et Yolkov, bah, je voulais juste avant. Avec un i avec des points, avec un Il y a deux tréma. points sur le I. Pour ça. Bah non plus, hein. Essayez Yolkov devant. Y, L. Là, O. Ah, je vous ai trouvé. Mais Ouais, c'est UEI. c'est mon adresse mail, elle est inversée. Hop. Je vous envoie le petit Nickel, j'ai formulaire. reçu. Et du coup, bah, je vous invite à le remplir et puis je vous fais une réponse dès que possible. Alors après, on ne recrute pas beaucoup. Enfin, le recrutement est ouvert, mais on va recruter une ou deux personnes. Par semaine, pas plus, parce que de toute façon on n'a pas ni les véhicules ni les parkings nécessaires pour monter plus vite que ça. Donc c'est possible que même si votre profil est intéressant et que tout le monde est d'accord, c'est possible que ça se fasse par exemple que la semaine prochaine. Voilà. Après, les patrons se lèvent vers fin d'après-midi, généralement 18 h. Du coup, quoi qu'il en soit, j'attendrai leur accord. Donc voilà. Excusez-moi. Yellow. Ah ok. Eh ben, bah, je suis encore yellow. On monte tout de suite. On arrive. Merci, à tout de suite. Hop. Ah, excusez-moi. Le devoir nous appelle. Pas de soucis. Eh ben, n'hésitez pas à repasser. Ouais, pas de soucis, je Bonne remplis le journée à vous. formulaire et puis c'est ok. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci aux deux. Au revoir. Et ils sont obésés sur vous. Est-ce que j'ai pas pris à manger? Ouais. J'ai un burger, ça suffira. Allez, je te laisse conduire. Ok. Va bon? Si. J'ai pas essayé. Non. Non. Oui, Non. là Oui. 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 Là oui. J'aurais dû aller de l'autre côté. De quoi? J'aurais dû aller de l'autre côté pour me directement à l'autoroute. Ouais, je sais pas pourquoi le GPS il nous fait tout le temps Voilà. passer par là. Enfin, c'est que ça doit être plus court. Hein. Je sais jamais où sont les radars. Hein. Il y Ok, en je crois qu'il n'y en a un a pas là. qui est juste à l'entrée de Grappe Sud. Ah ouais? Ouais. Non, du coup, plus ça va, plus je prends que les routes que je connais. Enfin, je suis sûr qu'il n'y en a pas.
Sur l'autoroute en montant, il y en a un juste après la bretelle là, qu'on prend tout le temps. Ralentir, parce qu'il est juste là à droite. Ah ouais. Juste ici. Allez, entrez le grave. Le méchant. Okay, après, il y en a un autre sur la route à gauche là-bas. Pas très loin du garage payant. Ah bah, c'est celui du tunnel là, ils l'ont installé hier, je l'ai pris 4 fois. L'autoroute. Je l'ai encore pris tout à l'heure, alors qu'en partant de Paleto, je me suis dit, faut vraiment que je pense à ralentir. Ouais, mais des fois, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais où ils sont, tu te dis, oui, il y a un radar là, et pas quand même. Et ouais. Ah ouais, mais je crois que j'aurais filé. J'en suis à 4 500 $ depuis hier, je crois. Rien que sur celui-là. Terrible. C'est en redescendant ? Ouais, ouais, il est à la sortie du tunnel en descendant. Celui de Paleto, je le prends plus. Celui qui est dans la ligne droite vers le magasin de vêtements. Ouais. Ouais. Là, je pense tout le temps à bifurquer. Encore la Daity, elle accélère pas trop, donc ça va. Mais avec celle-là. Peut-être ralentir un petit peu quand même. T'as remboursé Guy du coup pour la pente ouais, ouais, ouais. Je l'ai fait lundi. D'ailleurs. Et j'ai eu la paye. On cumule pas les dettes, ouais, quand même. Pour faire un petit don du sang. Mmh. Attends, quoi que je sais pas si je vais avoir un temps, ouais, non, je redescendrai avec toi. Ok. Bon, je vais passer un coup de fil parce que vu que c'est les PR, on va éviter de sonner au BCSO. Ah d'accord, les Park Rangers font... Ah ouais, c'est les Park Rangers qui sont montés, ouais. D'accord. Bah je crois qu'ils sont là. Et bonjour. Et bonjour. Et je préfère appeler parce que je me suis dit je vais pas sonner au BCSO ouais, non, alors que j'ai traîné les PR. Oh mais en fait pas, c'est parce qu'on était en patrouille avec le BCSO. Ouais, moi je me suis dit pour une fois on va passer par vous parce que j'ai jamais fait de vente de véhicule avec vous. Non mais pas de problème. Alors, c'est vous le vendeur ? C'est moi le vendeur. Alors vous pouvez venir près de moi. Présenter une pièce d'identité. Oui. Le Winner Archibald. Ok. Alors, pourrais-je avoir votre permis de conduire, oui. S'il vous plaît. Et le voilà. Anderson Jack. Ok, pardon. Hop. Alors. Les clés. 11AKY, c'est beau ça, la bonne personne. Et c'est pour qui ? Anderson Jack. Anderson. Hop. Jack. PK, oh. Ok. Et hop, vendre. Parfait. Nickel. L'échange ne s'est pas fait sous la menace ni la contrainte. Non, du tout. L'échange d'argent a été fait. Oui. Vous avez fait l'échange des clés. Oui. Oui. Est-ce que je peux avoir la carte d'identité de l'acheteur, s'il vous plaît? C'est juste pour c'est vérifier le CID. Ah, c'est bon, t'as... Okay. Ok. Voilà. Oui, au moins on est sûr. Les CID... Tic, 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 tic. 12-25-27-08. 12-25-27-08, c'est bon. Je confirme l'échange du coup, c'est bon? Ouais, c'est bon, tout est bon. Hop. À mon avis, il y a plusieurs monsieur Jake Anderson. Vous pouvez vérifier. Ah oui, il y a beaucoup d'Anderson. Il y a plusieurs Jake Anderson. À première vue, mon collègue me demande de vérifier avec le numéro de carte d'identité. C'est qu'en général,
C'est tout bon. Quand je fais des virements de prime, j'ai pas fait attention qu'il y en ait plusieurs. T'as bien reçu ta prime. Oui, okay, oui, j'ai bien reçu, oui. Normalement, c'est bon. Vérifiez vos dos. Dis tous les deux vos. Oui, c'est bon, moi je l'ai reçu. Bon. Normalement, il est parti de chez vous. Hop, mes voitures. Et ouais, c'est bien bon. Parfait, donc par sécurité, n'oubliez pas de le ranger dans un garage et de le ressortir. Pas de problème. Voilà. Et eh ben impeccable. Ouais, très bien. Parfait. Une petite information avant de pouvoir revendre le véhicule ou procéder à un échange, il faudra attendre 30 jours. Ok, pas de problème. Ça vaut aussi pour la Punto qu'on a en arrivant sur l'île. La Punto, vous la. De toute façon, ça vaut 1$, donc c'est concesse. Ouais. Vous leur vendez directement au concesse, ça sert à rien d'aller aux zombicars avec ça. Non, ah, c'est arrivé jamais... que le Black Cat les rachète, ouais. Le Black Cat. Oui, bah, genre, y a déjà eu quelques offres. Je sais pas, ils font oui, un récif de Punto. De temps en temps, ils font un peu les cons avec des Punto, mais en général, elles finissent à la destruction. Elles finissent au fin fond de l'eau, elles finissent. Oui. Il y a Nejnara qui l'a racheté pour faire de la pump tank aussi, ouais. Voilà. Bon, c'est plus rare, entendons-nous. Hein. Oui. Il suffit d'avoir entendu. Et ben, merci. Pour nous, tout est en ordre. Et ben, parfait. Et ben, merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Faites attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et c'est parti. Ils étaient pas blancs et rouges avant les taxis? Si, mais ils ont changé hier, je crois, ou avant-hier. D'accord. J'ai vu les patrons, ils étaient tous en jaune et noir. Je dis, bah, c'est nos couleurs, ça. Ils m'ont dit, bah non, mais on veut repasser les taxis en jaune. Ah bah d'accord. Ah, c'est nos couleurs. En vrai, nos flocages ne seront pas jaune et noir. Mais... Oui, vous pensez à quelle couleur? Et ben, on sera plus sur. Je sais pas si t'as vu le menu. Le menu qu'on a mis sur Weasel, on sera plus là-dessus. Moi, je vais regarder. C'est jaune, désert, cactus. Les cactus. Un jaune sable plutôt. Ouais, c'est un peu plus foncé. Un peu plus beige. C'est à 140 là. Ouais. Même 145, ça flash pas. Ouais. Alors, je vais juste rajouter Monsieur Yolkov. Mais c'est compliqué à écrire son nom de famille. Ah oui, c'est... Enfin, une fois qu'on le voit, c'est moins compliqué. Yolkov. Wesh, il a pas tort, il y en a plein à qui j'ai pas répondu. Voilà, moi, donc, si j'attends toujours une réponse. Hein. Il y a pas trop à faire. Hein. Ah, et puis il y en a, on sait pas trop, on les garde sous le coude, du coup on leur répond pas, tu vois. Mais... alors c'était quoi ça? 0977. Il a plus de radar là. Il a pris? Non, je disais, il y a plus de radar là. Je crois que c'est. Ouais, après il y en a plus, ouais. 0977. Moi, je passe tout le temps par l'autoroute après. Ah oui, bah j'ai commencé. Toujours le radar. C'est bon. Ah. Aled. Il y a Lydie qui envoie Aled. C'est pas bon ça. Oui. À l'aide où?
Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans le camion, pousse la porte. Rentre dans la porte. Et quoi, elle est enfermée dans le camion ? Elle est coincée dans le camion. Non mais comme si tu voulais sortir, normalement la porte Attends, ouais, sinon on va venir te libérer, on est là. Allez. Je suis coincé dans le camion. Alors on en apprend tous les jours, lui. Ah bah non, bah c'est bon. T'es sorti du camion. Quoi? T'es sorti du camion. Oui, j'étais dedans. Feu à l'aide. Un petit coup de chiffon sur le premier. Attends, j'y suis. Hop. Hop là. Non, on se ferme pas. Ça va. Rien de plus joli comme ça. Oui, c'est sûr. Alors oui, attends, le menu. On l'a peut-être sinon dans notre... Non, j'ai 6 qui arrivent. C'est Jake. C'est moi. Ouais, c'était juste le temps de faire l'échange de véhicules. Ah. Je lui ai vendu ma voiture. Voiture? Non, je l'ai pas vu. Ah non, je l'ai pas vu ta voiture. Mais je vais aller la faire, je vais la changer quoi. Elle est comment là? C'est quoi, c'est celle que... Celle que tu regardais hier? Ah non, c'est pas ça. Ah ouais, ah, elle est déjà bien custo quand même. Ah, elle est déjà stylée. Hein. Ouais. En plus, elle est aux couleurs de nous. C'est une décapotable ? Non, je crois pas. Elle est de notre couleur. Bah ouais. Oui, c'est vrai que le futur logo, il est plus de cette couleur. Mais de base, j'aimais bien cette couleur. C'était cette couleur là où je voulais peut-être aller. Donc... Ouais, mais cool. Ouais. Mais je pense que l'arrière on peut changer, non? Enfin... Oui, d'accord, ok. L'arrière, tu vas pouvoir mettre un spoiler différent que ça, ouais. C'est quoi un spoiler? C'est le petit aileron. Ah, et la bande noire, ça. Sinon, c'est avec tout le. C'est un sticker, ça, je pense. Ouais. Ok. Mais il doit y avoir que les bandes, je pense. Au moyen. Mais ouais, bah ouais, elle était aux zombies. Sympa. Bon, bah je vais aller changer le rhum. Par contre, ouais. Mon siège, j'arrive pas à le remonter, je suis vachement. Ouais. Zou. Jake. Oui. On attend juste G6 avant de continuer de charger, comme ça ils ont le champ libre. Ok, d'accord. Ça marche? Je t'amasse. Oui, bah, je plane. Enfin. Ou alors, si, mais tu peux charger, mais. Ouais, je le mets en face. Ouais, voilà, c'est okay. Ça, ouais. Pose-le pas en bas de l'escalier. Quoi. Ouais, ok. Mais quoi? Non, mais c'est juste.
beaucoup de boissons, mais pas beaucoup de bouffon. Il faut faire tomber mon téléphone. Ça aurait été dommage. Oui, c'est vrai. J'ai un coup de main, j'ai posé mon sac, mais bon, tant pis. Bon marché. Hein? Oui, j'ai dit merci. J'ai pris des 4 fiches pour changer, j'adore ça. Rapide, monsieur Sergueï, votre coffre. Oh, le coffre. C'est déjà rempli. Ah. Mmh. Ah, je sais pas où on peut aller. Est-ce qu'il y a une noire? Est-ce qu'il y a une rouge noire? Je pense en ville, forcément. Ah, il y a à côté de la manne. Et coucou, ça va la forme? Ça va, bien encore mal au genou. Ah t'as encore mal un peu. Ouais. On ne bouge plus Jake, ouais. Attention hein. C'est plus la stagiaire du Yellow Jack. Hein. Alors... Et c'est tout bon, et pour toi? Alors non. Nickel.
Bonjour. Bonjour. Il peut bouger. Ouais, mais il est déjà là. Bonne journée. Ah. Mais non, mais ah, je peux faire ça. Non. 2, 12, 45. Je suis fort. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais les policiers pour sauver une voiture. Sauf qu'il y en a une qui n'allait pas du tout dans le bon sens. Alors, je sais pas si c'est le malandrin qui s'est mis à faire des demi-tours ou. Je pense pas. Je pense qu'il s'amuse avec eux. Il les fait tourner, il tourne en rond. Sans quoi c'est plein. Il y a juste à se remplir les poches. Ok. Du coup, est-ce que je te parlais tout à l'heure, mais c'était déjà parti. Tu veux aller où? Ah, oui, tu disais, oui, la mano, elle est noire. À côté de la mano? Ouais, ouais, on peut faire ça. Ouais, ok. Comme ça, on la blinde. C'est ça. Et bah, c'est parti. Hop. Zou. C'est très bon, oui. Oh bah non.
Oh, j'avais pas vu ce petit sourire. Ça résonne. Pas tranquille. J'ai la club. J'ai mon appart. J'avais déjà la boule dedans depuis. Refait. Là, cette semaine, on va travailler comme un dingue pour payer la club, entre guillemets. Et potentiellement, en fonction de l'argent, s'acheter un petit squally. Ah, faut juste que je me sépare de la Ponto. Oui, là, je vais essayer de mettre en vente la Ponto. Pour parce que j'ai que deux places hein. Elle s'est garée mais alors comme un pied. Faut que je reste dans ma tête quelques Ok, pas de problème. Minute. Bonjour Ginette. Il faut récupérer. Même s'il est dans sa tête, je vais. Je sais que pire, c'est pas grave, ça fera plus pour moi. Je suis un gros crevard. J'ai besoin de thunes. 63. 63. Oh, je l'ai fait tomber. J'en voulais un squatty, mais j'ai Benoît, il est trop pauvre. Ah, mais c'est toi, d'accord, ok. Bon, c'est 60 000, un squatty.
Bon, oui, c'est sûr qu'après, je crois que vous avez de grosses dettes à l'État, si j'ai bien compris. Bon bah ça va. Moi mon compte il est à 4651. Oh, je crois que je l'ai cassé. Oui bah voilà le compte perso. À 20 000 près tu peux te l'acheter le squally. À la condition que tu aies les places de parking, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre débat. Ah, oui, alors vu sous cet angle, oui, Oui, vu sous cet angle, la sixième place de parking, attends, ça fait, oh, ça aurait dû 100 000 balles, hein, pas loin, carte. Ah non, ah oui non non, sixième place de parking, non, il y en a 23. 50. Ça aurait dû 60 000 balles. La carte grise, ça dépend du nombre de véhicules, mais on va dire que tu en as peut-être déjà 3, donc le quatrième ça va donner 40 000. Donc on est déjà à 100 000 balles, plus oui ça fait 160 000. Je peux comprendre que tu sois un peu ric-rac. Ça d'ailleurs que le monde quand vous faites pour être payé en patron si vous n'avez pas de prime. Parce que je crois que c'est pareil dans toutes les entreprises, les patrons ils n'ont pas de prime.
Ah, sixième carte grise. Ah oui. Oui, là tout de suite, oui, bah je comprends. Ça fait un peu cher, en effet. Je le conçois. À 10 000 dollars, je m'achète combien? D'accord, ok. Soixante-quatre? Ouais. Ah oui, donc bénéfice, c'est-à-dire une fois que tu as payé les employés, une fois que tu as payé les impôts, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à payer? Mais après, il faut que tu gardes de côté pour pouvoir payer tout ce qui est rachat en nourriture ou truc comme ça. Ah oui, donc ce qui reste de tout ça, c'est le pourcentage de part que vous avez. Si tu as 30% des parts, tu auras 30% de ce qui reste. Salaire, prime, impôt, contrat avec les entreprises. Ouais. Ah oui, plus les véhicules. Ok. Donc là, en ce moment, il doit pas vous rester grand-chose. Je pense. Je sais pas exactement combien on se fait par semaine, mais ça peut être compliqué, ouais. Oui.
On va récupérer. Par contre, Archibald, lui, il a une prime. Non? Oui, bah j'espère qu'il a une prime, parce que s'il doit se gagner, s'il a comme salaire les 5% qu'il a... Ah oui, mais par contre, tout ce que vous faites en vente, ça rentre dans le pur bénéfice. Pur bénéfice, ouais. Ce que vous allez vendre, ça va contribuer à faire que vous aurez un salaire à la fin de la semaine. Vu que ça va augmenter le CA, donc. Ouais. La question est-ce que vous avez le temps? Oui, c'est pour ça, vous, que... Comment ça s'appelle? Livraison terminée. Ok. Nickel. Alors attends, l'appel terminé. On va prendre l'appel pour leur dire qu'on a bien reçu. Et voilà. D'accord. Je disais quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Tant pis. Je sais que je parlais du fait que... Ce... Ah oui, si. Les factures. Vous que vous en fassiez ou non, ça va rien changer. Parce qu'au final, vous aurez pas de prime de facture, si. C'est plein. Pour arriver à 64, la fin du truc, donc on fait 44 plus 44. On est bon. Oui, donc c'est pour ça que vous nous laissez faire les factures et tout ça. Vous en avez pas besoin. J'en suis à combien de mon quota perso journalier? Non. Oh, c'est compliqué là. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Entreprise. Supérette. Historique. 7586. Oh, bah, je suis plutôt pas mal en fait. Il faudra que je fasse 2005 quand même tout à l'heure. Je crois qu'on n'a pas fini. Oh, si, ça va. Je devrais pouvoir les attendre facilement, mais mon petit quota de 5000 par jour.
dans les 1700 ce matin. Ah oui, non, il me reste 9 minutes là. On va se dépêcher. Il n'y a qu'à fermer. Bah, le recrute. Oui, mais il paye toujours lance-pierre, donc c'est pas possible. Comment ça, il n'y a aucun véhicule? Bien sûr, regarde là. Je le vois en plus. Et bah, bonne course. Et à plus tard.
Non, de l'autre côté que je dois aller. 64. Comment ça se fait ça? En deux jours? Ah oui, non, en fait, c'est normal. En deux jours, j'ai fait la moitié de ce que j'ai fait en une semaine la semaine dernière. Pas une semaine, en quatre jours. Oui, c'est ça. On se rapproche tout doucement de mon objectif. J'ai presque resté. Eh ben j'ai fini. J'ai fini. Ah ben, dis-moi. Je prends l'huile. Ah non, il n'y en a plus dans le tempo. On a fini. Direction Yellowjack. Ah, bah oui, elle a fermé. Bon, par contre, je vais foncer.
Ah ouais, j'ai pas mis la radio, tiens. Quoi? Oui, c'est vraiment. Mais non, ça va. Le gong de ressenti, je devrais y aller. Je vais vite fait déposer ce petit rhum. On rentre à la caravane et puis let's go. Un petit peu quand même. Hop là, c'est bon. On va vite se changer. Voilà. Prends la clé. On arrête de courir. Aussi.
Vous savez, il n'a pas mis les pots tout terrain. Il faudra remédier à ça. Oui, d'ailleurs, je lui ai envoyé un message, je sais même pas s'il a mon numéro d'ailleurs. Et j'ai ce sticker aussi. Non, mais non seulement t'es chez moi, et en plus tu dis que tu m'aimes pas, toi. Extraordinaire. Bon, et bien, je vous dis à tout à l'heure. Aux alentours de 19h. Dans ce là. Bon après-midi à vous. Et amusez-vous bien. Tiens, on va voir chez qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez qui vous envoyez là tout de suite? Non. Eh bah tant pis. Je vous laisse choisir de votre côté. A plus tard.